Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur intuitionlibre.com. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à ce podcast pour ne rien manquer des ressources, des découvertes que je partage avec vous. Aujourd'hui, je vais vous partager une ressource un peu particulière qui pourrait vous permettre de changer de vie. Vous le savez, les civilisations perdues, les Mayas, les Incas, étaient des civilisations très avancées et qui connaissaient finalement beaucoup de secrets sur ce monde dans lequel nous vivons, nous, aujourd'hui. Pourquoi ces civilisations sont-elles perdues? Mystère. En tout cas, on peut retrouver beaucoup d'informations et qui peuvent être assez utiles, essentielles, existentielles pour voir comment, en utilisant d'autres concepts que ceux que l'on nous imprime, que l'on nous fait subir dans nos vies quotidiennes d'aujourd'hui, eh bien, nous pourrions peut-être être plus en harmonie avec nous-mêmes, plus en harmonie avec cet univers et pouvoir fondamentalement changer peut-être nos comportements, mais aussi pouvoir obtenir des choses, voilà, qui sont tout autour de nous, dans cet univers, sur cette planète, pouvoir obtenir une forme d'abondance perpétuelle. Alors, je vous propose un programme aujourd'hui qui n'est pas de moi, mais cette histoire m'a quand même attiré beaucoup mon attention, alors, je sais, on voit beaucoup de programmes et faut toujours faire assez attention, c'est un peu romancé et je ne voudrais pas faire de fausses promesses, donc je ne peux pas vous promettre que ce programme, bon, contrairement à ce qu'il promet, pourrait voilà, changer radicalement votre vie, mais il y a quand même des éléments qui peuvent être très très intéressants à explorer pour pouvoir reprendre le contrôle d'une part de ce monde invisible, d'une part de ces savoir-faire ancestraux, de cette connaissance ancestrale qui est complètement perdu aujourd'hui par 95% de la population, que sans doute certaines élites d'ailleurs elles utilisent, dont ont connaissance, et oui, qu'elles utilisent parce qu'elles ont le temps de le faire et qu'elles gardent assez jalousement ce secret. En tout cas, je fais partie des personnes qui pensent que le destin n'est pas une fatalité, qu'on a la possibilité de changer des choses, parfois avec des choses relativement simples, tellement simples que justement c'est pour ça qu'elles ne sont pas dévoilées. Et donc, si vous aussi vous ne voulez pas céder à la fatalité dans ce monde où les pauvres sont toujours plus pauvres et où les riches sont toujours plus riches, eh bien écoutez, je vous propose de découvrir un programme. Je vous mets le lien dans la description de ce podcast, dans la description de cette vidéo. Programme qui vous coûtera 37 euros. Donc vous voyez, c'est pas un très gros investissement et qui, au travers de tout un tas d'écrits, de musique et de sonorités diverses et variées, vous permettra d'accéder à un autre niveau de conscience, à un autre plan de conscience et pourquoi pas par la même du coup du fait pouvoir récolter l'abondance à tous les niveaux dans votre vie. Voilà, je ne peux pas décider pour vous, je ne peux juste que vous proposer un programme. Je vous mets le lien dans la description de ce podcast, dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à le consulter, écoutez cette histoire, prenez le temps d'y réfléchir et puis si cela vous intéresse, si cela vous fait vibrer, eh bien écoutez, passez à l'action. Vous avez peut-être une des recettes pour vous aider à obtenir ce que vous souhaitez le plus fortement dans votre vie et obtenir des lendemains meilleurs que ce que n'est aujourd'hui. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse cliquer sur le lien dans la description.